Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la vidéo d'aujourd'hui, c'est le journal créatif de la semaine. Alors, si je ne me trompe pas, on doit être au numéro 67, je crois. Si je me trompe, j'aurais changé dans le titre. Oui, Fifi. Y'a Fifi. Ça va? Tu dis bonjour? Non. Alors, d'abord, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles. Vous continuez à arriver chaque semaine et ça me fait très plaisir. Je vais surtout l'expliquer pour les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver. Le journal créatif, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est comme un fausse-tube. Je vous montre tout ce que j'ai pu faire dans la semaine, principalement en broderie, mais aussi en tricot, en crochet. Et si j'ai un autre loisir que j'ai fait dans la semaine, ben je vous le montre également. Bon, alors les nouveaux et nouvelles, si vous ne connaissez pas Fifi, c'est la mascotte de la chaîne, mais elle fait un peu ce qu'elle veut. Voilà. Une fois que je suis en train de filmer, ben elle fait ce qu'elle veut. Oui, donc je vous montre tout ce que j'ai fait sur la semaine. Voilà. Alors, les loisirs que je pourrais faire en plus, ce serait du diamond painting ou du coloriage. Voilà. Mais bon, là en ce moment, il n'y en a pas. Je ne suis pas décidée à en faire en ce moment. oui, je suis bien couverte hein, parce qu'il ne fait pas chaud. Bon, le chauffage est mis, hein, bien sûr, mais bon. On essaye de ne pas le mettre trop fort. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Comme vous le savez, je prends mon stylo. Comme vous le savez, je fais des broderies obligatoires. On appelle obligatoire, c'est les broderies qu'on fait en duo, en trio, en groupe, et qui ont une étape chaque semaine ou chaque mois. Et donc, ça, ce sont des broderies qui reviennent toutes les semaines sur ma liste. Et ensuite, j'ai des broderies que je tire au sort avec la roue que j'ai sur ma tablette. Et je tire au sort également un HAED. Voilà, donc parce que je fais le HAED du mercredi. Vous commencez à être à plusieurs à le faire et ça me fait très plaisir. J'ai lancé cette idée il y a quelques semaines. Et puis là, un petit peu à la fois, vous êtes quand même déjà... J'ai l'impression que mon puits est de travers. vous êtes déjà quand même plusieurs à le faire et ça me fait vraiment très plaisir. J'ai également la broderie du lundi. Alors la broderie du lundi, je choisis une broderie, alors soit qu'elle est prête à finir et je profite d'un lundi pour la terminer, soit ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé dessus. Et du coup, je la ressors et je travaille tout le lundi, toute la journée du lundi sur cet ouvrage pour pouvoir l'avancer. Voilà. J'ai également un petit challenge. Je prévois de faire au minimum 3000 croix par semaine. Et donc, j'essaye de voir à la fin de la présentation de mes broderies si j'ai réussi, si j'ai fait plus ou moins. Voilà. Donc, ça, vous le verrez tout à l'heure. Et ensuite, niveau tricot, écoutez, j'avance sur mes tricots. Alors, j'en ai deux, enfin, j'en ai plusieurs d'avancées, vous le savez, en route. Mais là, en ce moment, je travaille surtout sur deux. Et donc, c'est pour juste les avancées. Et en crochet,
C'est pour le moment, c'est pour travailler sur ma couverture météo, mais de l'année dernière. Elle n'est pas finie. Mais bon, il reste plus grand-chose, hein. Il reste un mois et quelques jours à faire dessus et elle sera terminée. Voilà. Bah, écoutez, je crois que j'ai tout dit, tout fait. Voilà. Alors, quand il y a des achats que je ne vous ai pas montrés en vidéo, bah, je vous les montre en même temps. Bon, là, aujourd'hui, il n'y en aura pas. Et quand il y a des terminés, bah, je vous les montre aussi. Bon, cette semaine, bah, malheureusement, il n'y a pas de broderie terminée. Bon, on verra la semaine prochaine, hein, peut-être. Non, mais on verra comment sera la semaine prochaine. Mais c'est vrai que les petites broderies, elles sont finies. À part une, il reste l'orchidée qui est petite. Mais après, c'est quand même des ouvrages assez conséquents. Donc, c'est un peu plus difficile de les finir. Voilà. Bah écoutez, on va y aller. Donc, je vais vous dire les obligatoires. Il y a le sampler 124 que je fais avec Sonia de la chaîne Diamant Rose. Ah, j'ai oublié mon petit mémo. Voilà. Je vais même l'enlever et je le garde. Voilà. Hop. Excusez-moi. mon Star Dragon de chez All Forest que je fais en duo avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty. Mon ABC automne, c'est un sale que j'organise en partenariat avec Sabine, la boutique de Poussière d'Étoiles. Donc là, on fait une broderie en 4 étapes qui est sur le thème de l'automne. Et donc là, on est à la 2e étape. Voilà. Je fais également en duo avec Céline, une de mes abonnées, le Lily Point Chat. Voilà, la rencontre thérapie pour moi. En trio, je fais le HAED. Alors, moi, je l'appelle le hibou du savoir. Le nom en anglais, j'arrive pas à le retenir. Donc, voilà, c'est le hibou du savoir que je fais en trio avec Amélie. Et avec Laurent, donc Amélie de la chaîne Dazing et Diamants, et Laurent, lui, n'a pas de chaîne. Et j'ai une de mes abonnées qui va le commencer ou qui l'a commencé, tu me diras, Sabine. Donc elle le prend en cours de route, mais elle va le faire également. Ensuite, il y a le sampler 251. Il est entrée cette semaine ou la semaine dernière? Non, cette semaine, il est rentré cette semaine. Donc là, on est plusieurs à le faire, dont le gang des Québécoises, et il y a des filles, des membres de mon groupe de broderie qui le font également avec moi. On le fait tout en même temps. Voilà, donc là c'est un sampler que on va travailler par case et il y a 24 cases en tout, donc qui va durer 2 ans. Voilà. Ensuite, le Black Rose. Donc ça c'est à All Forest et je le fais également en duo avec Letty de la chaîne Les Loisirs de Letty, mais pas seulement, j'ai des filles, enfin des membres de mon groupe qui le font également en même temps que moi et il y en a qui vont commencer là bientôt aussi, donc on est plusieurs à le faire. Et d'ailleurs j'ai vu que Julia Roscocon, elle allait le faire en salle. Bon, ben voilà, c'est la 2e fois que je fais un salle en même temps qu'une autre personne, mais bon, je ne le savais pas avant, mais bon, c'est pas grave.
Là, nous, on ne le fait pas vraiment en salle. On va dire que chacun travaille à son rythme. On fait au minimum 250 croix par semaine. S'il y en a qui savent faire plus, ben, elles font plus. Sinon, c'est une moyenne de 250 croix par semaine. Voilà, donc pour les obligatoires, ben, c'est tout. Alors, j'ai un petit obligatoire perso à moi. Vous avez pu le voir, je vous l'ai montré il y a 15 jours, je crois. Je fais un lily-point pour de le faire en cadeau pour Noël pour mon infirmière. Donc celui-là, bah, il est un peu dans mes obligatoires parce que bah, là, il me reste. Alors, elle est venue cette semaine faire nos vaccins et en faisant comme si de rien n'était, je lui ai demandé ses dates de vacances. Et donc, elle est en vacances à partir du 21 décembre. Moi, j'aurai une prise de sang à faire à ce moment-là, un petit peu avant, pour mon TS. Alors, je ne sais jamais si on dit TSH ou THS. TSH, je crois. Et pour la thyroïde. Donc, elle vient me faire mon bilan trimestriel. Et donc, je lui donnerai à ce moment-là. Donc, il faut absolument que cette broderie soit terminée avant le 20 décembre. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Voilà. Alors, ensuite, Larroux m'a tiré au sort pour le HAED du mercredi. Alors, ce n'est pas vraiment un HAED, hein, mais je le considère tel quel puisque c'est une couverture totale, c'est une grande broderie. Mastin Puck bleu. Pour la broderie du lundi, c'était l'aquarium de l'UKS. Et pour les autres broderies, donc il y avait mes pans royaux d'Olforest, l'orchidée de chez Lanart, les hérons de chez Lanart également, et mon automne Quaker. Voilà. Là, je suis désolée, je ne retiens jamais le nom de la créatrice, mais on le verra tout à l'heure. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, cette semaine, j'ai normalement bien travaillé. Sur toutes les broderies que je viens de vous énoncer, il n'y en a qu'une que je n'ai pas faite. Ben là, j'ai pas eu le temps du tout. Donc, il n'y en a qu'une qui n'a pas été faite. Donc, c'est très bien. Bon, ça y est, elle sera faite la prochaine fois. Hein, c'est pas grave. Ça va. J'ai bien bossé. J'ai bossé une en plus, par contre, mais pas beaucoup. Pas vraiment pas beaucoup. J'ai fait quoi 100 croix, une centaine de croix. J'ai sorti cette semaine, je ne sais plus quand. Bah, dimanche soir. Ouais, c'est dimanche soir. Mon estampée, voilà, celle-ci. Ouais, je vous ai dit, hein, les estampées, c'est plus trop ma tasse de thé. Bon, ça n'a jamais été vraiment. Hein. Mais celle-là encore, ça va. Mais bon, je la sors une fois de temps en temps. Je lui fais prendre l'air. Je lui fais prendre l'air. Et donc voilà. Alors, j'ai travaillé ici et ici. Voilà. J'ai fait ça et ça. Donc, je suis quoi à 100? Ouais, non, c'est une centaine de croix, pas plus. Bon, on va dire 100, 150, peut-être 150 croix. Voilà. Et donc, en plus, je sais pas comment je fais mon compte, mais celle-là, le dos est très joli. Voilà. Par rapport à mes autres broderies, celle-là, ça va. Ben, grâce à celle-là, je la travaille comme ça, sans tambour, sans cuisse. Et mon aiguille, elle passe vraiment sur le dessus. Voilà, comme ça. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de mélange de fil derrière.
Voilà, donc celle-là, je la prends à la main, dans mon fauteuil, ma lampe et en avant Guingamp. Bon, il y a encore du taf, hein. Là, c'est même pas fait. Voilà, et puis après, il y a toute la broderie. Hein. Mais bon, on verra. Si elle met 10 ans à être faite, elle mettra. Enfin, non, pas 10 ans, mais. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, hop, je coche à chaque fois ce que je vous montre, comme ça. J'ai mis où? Pou, 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 ici. Voilà. Donc voilà, celle-là je l'avais prise en plus, mais j'ai pas énormément bossé dessus. Ensuite, bon, celle-là je vous la montrerai après. Hop. Voilà. Bah, elles vont être prises dans ce que vous allez voir en premier, c'est ce que j'ai fini cette semaine, enfin en fin de semaine. En vous parlant donc de ma broderie. Pour mon infirmière, voilà où j'en suis. Bon, ça n'a pas avancé beaucoup beaucoup. Bon, le mot infirmière est terminé, mais ça je crois que je vous l'avais montré déjà. Et donc j'ai fait ça, être et le mot c'est. Voilà. Mais ça va, hein, elle est vraiment facile à travailler. Alors, je suis sur une toile. Par contre, les cheveux, c'est une. Je suis sur une toile étamine, 12 points 6 fils. Et normalement, celle-là, c'est une couleur café, si je ne me trompe pas. Voilà. Ah oui, puis j'ai fait la petite virgule. Très important, la petite virgule. Donc, voilà. Donc là, il me reste, bon, on va dire, il me reste un mois pour la faire. Ça devrait le faire. Hein. Voilà. Ensuite. Pas bouger, pas bouger. J'ai travaillé sur mon, enfin mes hérons, mais pour l'instant on n'en voit qu'un. Donc c'est les hérons de chez Lanart. Voilà. Donc là j'ai dû bouger mon tambour. Hein, donc vous voyez, on voit le reste de son bec ici. Donc j'ai travaillé là. Alors là vous n'allez peut-être pas le voir beaucoup, mais ici tous les demi-points. Voilà. Et j'ai commencé le deuxième héron qui est ici. Donc là, il y a sa huppette qui va, on dit une huppette, hein, je crois, je sais plus le truc là, qui va venir là aussi. Mais sinon, là, cette partie-là, il reste encore des demi-crocs à faire. Alors là, pour les demi-croix, je vais changer d'aiguille, je vais en prendre une plus petite parce que il n'y a qu'un seul fil et le fil à chaque fois il se barre. Donc je vais changer d'aiguille pour. De toute façon, il faut que j'en recommande. Moi, j'utilise les aiguilles boules et j'en ai presque tous mes ouvrages ont une aiguille boule. Et là, j'en ai plus de réserve. Il faut que je rachète, mais je vais acheter vraiment. J'achète maintenant les petites. Là, c'est une grande que j'ai. J'aime moins bien les grandes, je préfère les toutes petites. Donc voilà, il est beau mon héron. Et du coup, son petit copain, il commence à montrer le bout de son nez. Enfin, là, c'est plutôt son cou, mais je pense que c'est son cou. Voilà. Chouette, hein? Alors, le héron. Ah oui, l'infirmière, je ne vous ai pas dit. C'était
Ça fait plus ou moins 200-250 croix. Et le héron, ça n'a pas l'air, mais il y a, avec, en comptant les demi-croix, hein, il y a environ 500 croix. Voilà. Pacha, laisse-le dormir. Va là-bas. Pacha. Dépêche-toi. Pacha. Il va empêcher Jerry de dormir. Va là-bas. Allez. Pacha. Pacha. Il est obéissant. Bon. Oui, je vous disais, il est trop chouette. J'aime beaucoup. Voilà, donc héron, petit pas tapon, c'est pas ça, un petit coup à la vôtre. Ici, en automne Quaker, alors je vais vous donner le nom de la créatrice, c'est celui-ci, et c'est de Karen Kluba, voilà. Et on le brode avec des fils Valdani. Et voilà ce que ça donne. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Aujourd'hui, j'ai fait tout ce petit motif ici. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la couleur de ma toile également. Donc, étamine, 12.6 fils. Je crois que c'est une vintage mocha. Oui, je crois que c'est ça. Non, mais elle est chouette. Alors là, bon, je sais qu'avec mon téléphone, vous ne voyez pas très très bien les variations. Mais il y a des variations hein, dans les fils et ça fait vraiment tip top. Alors là, je suis contente parce que jusqu'à maintenant, je travaillais sur papier. Et là, maintenant, je l'ai sur mon application. Oh, quel bonheur. Je l'ai sur... alors, j'ai deux applications hein, maintenant. Je vous ferai une vidéo pour vous en parler. Je l'ai sur Cross Stitch Saga. Et c'est le bonheur. Oh. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai fait 350 croix. Et en tout, bah, du coup, maintenant, je sais à combien je suis. Donc, ça, c'est top. En tout, j'ai fait 2119 croix. Si je me suis pas trompée, c'est parce que j'ai tout reporté à la main sur la sur l'application. Donc normalement j'ai pas oublié de d'en coucher et je suis à 12,1%. Voilà. Mais je suis contente, vraiment tip top top. Alors c'est pareil, on est plusieurs à le faire. Qui c'est qui fait on est plusieurs à le faire mais je ne sais plus est-ce que je l'ai là. Alors j'avais commencé à faire des petites fiches pour mettre dans les pochettes et j'ai pas continué. Il faut que je le fais. Je crois qu'il y a Sonia qui le fait, je crois qu'il y a Geneviève, oh je sais plus les filles. J'ai vu qu'il y avait Laurent qui le faisait, de la chaîne Les Croix Mousquetaires.
J'ai vu que lui, il faisait. D'ailleurs, j'ai regardé sa vidéo hier. Bon, il y a des ouvrages qui me font vraiment envie dans ce qu'il fait. Voilà. Et je ne sais plus qui le fait encore. Mais voilà. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment top. Voilà. Oh, une pochette vide. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, donc ça, on l'a commencé le jour de mon anniversaire. Puisque c'était la broderie, c'était le sale anniversaire. Donc, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. On l'a commencé donc mardi. Et il va durer pendant 2 ans. Voilà, puisqu'il y aura 24 cases. Alors, là, je sais plus. Est-ce que je vous ai fait une vidéo dessus? Non, je vous ai fait un short, une vidéo short, deux même. Mais je vous ferai une vidéo, une vraie vidéo, très certainement dans la semaine, pour vous montrer comment je brode sur de la toile noire. Voilà, il y a une tache. Bon, ça doit être de la poussière. Je crois que je frotte. Oui, comment je brode donc sur de la toile noire. Parce que ben, moi j'ai une vue de top hein, carrément, donc même avec ma lampe loupe j'ai un peu de difficulté à travailler dessus. Donc ce que je fais, j'ai une tablette lumineuse. Moi je mets ma tablette lumineuse sur mon bureau, j'ai ma broderie comme ça avec mes pinces. Et ce qui fait que la tablette lumineuse, elle éclaire, par le dessous, et que tous les petits trous de la toile ben, sont bien éclairés. Et donc, c'est top. Voilà. Bon, ça m'énerve cette tache-là. Je crois que je la frotte. Ouais, du noir, ça va être galère, hein. Bon, on va pas frotter plus, hein. Voilà. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. J'ai fait le tour, alors le milieu, voilà, comme ça c'est notre repère. Et j'ai fait le tour de la case et j'ai commencé quelques croix à l'intérieur. Donc celle-là, j'ai fait 350 croix, voilà, ce qui fait que je suis à 1,08%. Bon, c'est normal, je viens de le commencer, hein, donc ça va. J'ai pas, alors étonnamment, j'ai pas galéré pour faire le tour de la case, ce qui est étonnant chez moi, mais ça va, j'ai pas fait d'erreur, rien, donc c'est vraiment tip top. Je crois qu'il va être très beau celui-là. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, pour celles qui font ce sale, donc avec moi, je ferai un tirage au sort. Bon, je n'arrive pas à le refermer. Je ferai un tirage au sort tous les 11 du mois pour qu'on reprenne l'étape suivante tous les 12 de chaque mois, puisqu'on a commencé un 12. Chaque étape va commencer le 12 du mois. Voilà. Oh, j'ai soif. Ensuite,
Ah, ça, c'était ma broderie. Alors, attendez. Voilà. Ah, mais j'ai oublié de remettre un... C'est pour ça. J'ai oublié de remettre un aimant pour tournicoter mes fils. C'est pas grave. Ça, c'est mon aquarium de chez Lucas. Voilà. Donc, je suis en train de travailler ce poisson-là. Et celui-ci. Celui-là, il commençait un petit peu au niveau du museau. Mais j'ai travaillé donc sur celui-là et sur celui-là. Et celui-là, du coup, ça a été ma broderie du lundi. Bon, alors du coup, j'ai oublié d'attacher mes fils. Voilà où j'en suis. Très agréable à faire. Vraiment sympa. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup avancé. Mais bon, lundi, j'ai eu des choses à faire en même temps. Du coup, j'ai pas énormément avancé dessus pour une journée complète. Là, j'ai fait 650 croix dessus. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup. J'ai hâte qu'il soit, enfin, j'ai hâte qu'il soit fini. Il faut encore un petit moment pour qu'il se termine, mais on va dire que j'ai hâte qu'il avance. Voilà. Ah tiens, j'ai oublié un point là. Il faudra que je le mette. Je n'avais pas vu. Alors pareil, quand des fois, si vous ne savez pas, si vous avez oublié un point, vous mettez comme ça la lumière. Voilà. Et vous aurez de la lumière qui va se mettre sur les points que vous avez oubliés. Des fois, ça peut arriver. Surtout quand on est dans des couleurs foncées, par exemple, comme ça. Des fois, on ne fait pas trop attention, on oublie un point. Ouais, donc celui-là, je l'ai fait, ça a été ma broderie du lundi et j'ai donc fait 650 croix. Ouais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais on se ramasse des fils partout. Oh. Voilà. On est à quoi? Oh. Ça n'avance pas aujourd'hui. Pourtant, j'ai l'impression de papoter. Où je suis? Celui-là. Là. Celui-là. Alors, celui-là, je vais enlever du tambour parce que la prochaine étape, il faut que je le bouge. Allez. C'est mon... aidez-moi, je ne trouve plus. Mon ABC de l'automne. Donc, voilà où j'en suis. J'ai l'impression qu'elle est où, téléphone. Voilà. Mon ABC de l'automne. Donc, c'est un modèle de chez Poussière d'étoiles. Donc, étape 1, étape 2 sont faites. Voilà. Allez, je vais remonter un petit peu les rainettes. Voilà. Mais super agréable à faire. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à le faire. D'ailleurs, l'étape 2, je l'ai mis en place dimanche, l'étape 2. Je l'ai fait tout de suite. Voilà, je l'ai fait entièrement et tout de suite. J'ai fait en tout combien de croix? 539 croix. Voilà. Et ouais, je l'ai fait sur quelques heures. Sur trois heures, voilà, pendant que je faisais le montage de la vidéo.
Mais vraiment tip top. Donc on n'a plus que deux étapes à faire. Voilà, vous voyez, il y a de la place pour faire les deux autres étapes. Alors il y a de la marge hein, sur la toile. Il y a de quoi faire. C'est les toiles que l'on avait eues avec la box. Vous voyez, on a de quoi faire sur cette toile. Sabine est toujours aussi généreuse, que ce soit en toile, en fil. On ne peut pas tomber en panne. On a vraiment toujours ce qu'il faut. Voilà. Alors maintenant, la prochaine étape, ce sera le 23. Le 23 novembre. Où est-ce que je l'ai mis? Ouais, donc 539 croix. En tout, j'en ai fait 1375. Et on est du coup à 42,75%. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si j'ai mis mon avancée sur... attendez, sur le carnet, vous savez, le carnet de suivi de point de croix. Alors. Je vais le prendre, j'ai oublié. Voilà. Et voilà. Oh là là. Oh que je suis vieille. sur mon carnet. Enfin, mon cahier, plutôt même mon livre, parce que regardez, de mes suivis de point de croix. Donc, c'est Mélissa qui l'a fait de la boutique, mais j'y tiens à chaque fois, je dis boutique, de la chaîne Diamant Rose. Voilà. Du coup, je ne sais pas si j'ai mis mon avancée. Alors là, vous voyez, j'ai des. Bon, tout n'y est pas encore, mais voilà. Vous voyez, je fais les avancées ici. Un petit tambour, c'est 10%. Donc, je note à 10, à 5, 10, 15, 20. Ça, c'est un Star Dragon. Là, par exemple, un qui est terminé. Vous voyez? Tout est en rouge. Cela, vous vous rappelez, hein, c'est le Caroline Menning. Alors. Les ours de Noël, c'est pareil, mais j'ai pas encore mis l'image, par contre. Il faut que je réimprime une image pour la mettre. Et les ours de Noël, vous voyez, c'est terminé. C'est bête, j'en avais une d'image. Mais comme c'était un imprimé, j'ai dit bon, j'en ai plus besoin, j'ai tout arraché, mis à la poubelle, je suis ah, l'image. Et oui. Bah, l'automne Quaker, du coup, je pourrais le marquer aussi. Et j'avais dit quoi, l'automne Quaker? 12%. Donc, bah, je pourrais en. Ouais, là. Alors, je le fais, mais au crayon de couleur. Parce que, bon, au feutre, ça risque de traverser. Donc, je fais au crayon de couleur. C'est du papier Amazon. Hein, donc, voilà. C'est lequel que je cherche, là? Aidez-moi. Ça, c'est le Black Rose. Ah, voilà. Mais j'ai pas mis l'image encore. Et donc, je vous ai dit combien de pourcents? 42. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, je le mets tout de suite. Je vous montre ça. Il faudra que je retaille mon crayon parce qu'il est là. Voilà. Non, mais c'est bien de faire ça parce que ben on sait où on en est, on voit notre broderie évoluer. Voilà, ça y est, je suis toute à vous.
Voilà. Hop, donc là, pareil, il faudra que je mette l'image. Mais vous voyez. Alors, Ah, tant pis, je vous le montrerai une prochaine fois. Quand c'est une broderie de poussière d'étoile, alors elle va dans ce. Je le mets dans ce cahier-là aussi. Mais j'ai un cahier et aussi un cahier de suivi spécial poussière d'étoile et qui a d'ailleurs été fait par poussière d'étoile. Et donc, quand je fais des broderies de Sabine, automatiquement, je fais un doublon dans ce cahier. Voilà. Donc là, pour l'instant, il est juste décoré, vous voyez, avec des petits stickers sur l'automne. Et il faudra que je mette que je remette une image. Ça, je vais imprimer l'image et puis je vais la mettre dessus, c'est tout. Voilà. Donc, je commence à être un petit peu à jour, pas tout à fait, mais dès qu'il sera complètement à jour, je vous le montrerai, je vous ferai une petite vidéo et je vous montrerai. Là, je vais d'abord finir de mettre les images, de finir de le décorer, de finir de mettre tous les renseignements, parce que j'ai pas encore mis tous les renseignements sur toutes les... sur toutes les grilles. Et puis là, de toute façon, je vais être un peu en panne de stickers. J'ai beaucoup de stickers. Bon, j'ai ceux de Sabine que je mets dans le cahier. Mais j'ai aussi une boîte avec des stickers, mais c'est beaucoup les mêmes. Pas les mêmes, le même style. Du coup, je vais me reprendre des stickers. Je vais regarder sur Ali ou Temu. Temu, j'attends une commande. Donc il y a un DP pour chouchou dedans. Il y a un ciseau pour le toilettage pour mes toutous. Et vous savez, des trucs, ça a la forme des pattes de chien ou de chat. Et on les met dans la machine à laver quand on fait la lessive. Ça, tous les poils, parce que nous, hein, c'est pour ça que vous me voyez toujours avec des vieux pulls. Il y a beaucoup de poils ici. Et du coup, ça ramasse les poils sur les vêtements quand on les lave. Et j'attends un manteau. Donc, ça fait plus 15 jours bientôt. Je ne l'ai toujours pas. Ça commence à me... Et dedans, il y a un DP pour chouchou. Tout ça pour dire, ouais, il me faut des stickers, donc je verrai. Vous voyez là, c'est pareil pour les pans royaux. Je n'ai pas trouvé de stickers sur les pans, alors bon, j'ai mis ça. Voilà. Donc, mon suivi, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Donc, celui-là, je viens de vous le montrer, on va le mettre là. Hop. Ah, oui, celui-ci. Je le fais en duo avec Letty, donc de la chaîne Les Loisirs de Letty. C'est un modèle de chez All Forest. Excusez-moi. C'est un modèle de chez All Forest. C'est le Star Dragon. Voilà. Donc, on commence à bien voir la tête de mon dragon, justement. Pareil, hein, il est super agréable à faire. Il est vraiment tip-top. Donc, celui-là, je le fais sur une toile de lin. Et là, je crois que je l'ai marqué. Je crois. Alors, là, je m'achète aussi... C'est des petits onglets pour que je retrouve mes pages plus facilement. Alors, le Star Dragon. En plus, là, pour l'instant, ils ne sont pas dans l'ordre, mais j'ai mis un peu comme ça venait. C'est du lin Bristol 18 fils naturel Zegart. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, j'ai pas corrigé. Oui, il est là.
C'est vrai. Parce que quand je l'ai fait, à la base, j'avais commandé une autre toile de lin. Mais 18 fils, j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup trop fin. C'est par rapport à mes yeux, hein. Et du coup, j'ai repris, le même jour, j'en avais acheté une autre. Et c'est une 16 fils French lace. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je corrige là. Faut que je mette une étiquette et que je corrige. Je vais la mettre là. Voilà. J'ai encore oublié de la corriger. Donc là, c'est une. Ouais, c'est un lin 16 fils French lace. Voilà. Et la couleur, c'est Permint, je crois. Donc, comme ça. Voilà. Il est trop joli. Oh, il est chouette. Celui-là, il est où? Là. Ah ben oui, on fait 300 croix obligatoirement. Là, on se fait 300 croix par semaine. Donc là, on est à 1850 croix, soit 5,59%. Voilà. Donc là, je suis au 5%, donc je peux le griffonner un petit peu. Hop. Ah ben non, mais je l'avais mis celui-là. J'ai mis les 5%. Vous voyez, quand je suis à 5%, voilà, je fais la moitié. Et quand je serai à 10, ben, je ferai complètement. Donc, ouais, 5,59%. Bon, on va dire qu'il y a encore du boulot, hein. Voilà. Bon, la pile commence à grimper. Ensuite, ici. Alors, celui-là, je le fais en duo avec Céline. C'est une de mes abonnées. Là. Et je suis en train de penser que je vous ai pas montré les photos. Bon, je les mettrai. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Hein? Je les mettrai sur l'écran. Alors, elle est où Céline? Ah, elle est là. Voilà. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Ronreux. Donc là c'est la ronron. Et après en bas c'est marqué thérapie. Voilà, ça avance. J'ai presque plus rien à écrire. Hein. J'ai plus que là, ronron, donc finir le O et le N. Ici en haut, il y a le mot, enfin le mot, oui, MA, donc ma. Là, j'ai quatre petites patounes de chat à faire. Et terminer mon chat ici. Voilà. Et ce sera une de fini. Alors, Céline, elle, voilà où elle en est. Sur le sien, donc c'est pas le même modèle, hein, mais c'est un Lily Point également. On s'est fait donc un duo Lily Point spécial chat. Donc voilà le sien, il est très joli également. Et moi, donc le mien, c'était ça. Donc voilà, ça avance. Je pense que pour la fin de l'année, peut-être avant, je sais pas, quoi que qu'on voit où on en est. Je pense que pour la fin de l'année, celle-là, elle sera
terminé. Il faudrait que les pochettes soient juste, mais alors, 1 cm de plus. Pas beaucoup, 1 cm. Ouais, pour la fin de l'année, je pense que ça sera fini. Où je l'ai mis? Je ne sais plus. Là, voilà. Donc, j'ai fait environ 250 croix. Voilà. Ici, alors dans les petits, enfin quand je dis les petits, ça veut dire que c'est des petits cadres. Voilà, hop. Ici, alors c'est celui que l'on a commencé il n'y a pas longtemps, on l'a commencé le 1er novembre. C'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le Black Rose. Donc voilà où j'en suis. Alors désolé, vous le voyez peut-être un peu de travers, mais c'est ma toile qui n'est pas mise bien droite. Donc vraiment, j'aime beaucoup le résultat. Le rendu du fil à talie donne vraiment très très bien et j'aime vraiment beaucoup. Donc moi c'est le fil Onyx. Il y a un fil derrière qui se balade. Voilà, voilà c'est le fil Onyx. Et donc là, on a... J'ai fait 304 croix. Alors là, c'est ce que je vous disais, on fait minimum 250 croix par semaine. Si on en fait un peu plus, c'est pas grave. Je perds mes cheveux, j'ai les cheveux partout sur mes broderies. Donc même si on fait plus, c'est pas très grave. Principal, c'est de prendre plaisir à faire un joli ouvrage. Voilà, donc là c'est quand même un modèle qui a du succès, il est vraiment très très joli. Bon, il va falloir que je remette ma toile droite parce que ça m'énerve. Alors, celui-là, j'ai dit, ouais, 304 croix, ce qui fait que je suis à 1109 croix, et en tout, je suis à 3,04%. Voilà. Et donc, je le fais avec le fil, voilà, le fil Onyx. Vraiment très très beau avec le petit trifil là, la petite goutte d'eau. J'ai mis le modèle Halloween. Oh bah alors, ah voilà, j'ai mis le petit modèle Halloween. Ça vous les trouvez dans la boutique Poussière d'étoiles. Il y a plein de modèles. C'est vendu, sont vendus par lot 5. Sont vraiment très très beaux. Alors, je vais juste faire une pause de 2 minutes pour moi, 2 dixièmes de seconde pour vous. Parce que je vais retirer cette pile de broderie qui fait un peu la tour de Pise, là, qui va tomber. Et puis on va continuer à regarder ce que j'ai fait de beau. Alors là je vous en ai montré 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, celle-là vous l'avez vue, 7, 8, 9, 10.
Voilà, vous en avez déjà vu 10. C'est bien, hein? Allez, je fais, je dis une pause de 2 minutes, le temps juste de remettre ça en place. Mais on se retrouve tout de suite. Me revoilà. Allez, on continue pour les broderies. Ici, ma broderie du mercredi, mon HAED du mercredi. Donc, c'est ma steampunk. Voilà où j'en suis. Alors, la rose est terminée à un ou deux points près, je crois. Ouais, il doit manquer un ou deux points. Et là, c'est le rouage. Un rouage qu'elle a dans son chapeau. Là, j'ai commencé à travailler sur une grosse fleur. Pareil, c'est une rose, hein, une grosse rose qu'elle a ici sur le chapeau. La feuille est terminée. J'ai continué un peu le fond. Voilà. Donc là, maintenant je commence à rentrer dans les détails, ça commence à être intéressant. Non, mais j'aime toujours autant la faire. Alors celle-ci, elle est faite sur une Aïda 8. Voilà. Donc je la brode en deux fils. Hein. Mais j'aime bien. J'ai hâte que cette partie-là soit finie. Ben, il y a encore du boulot hein, dessus, vous le voyez bien. Hein. J'ai hâte que cette partie-là soit terminée. Et comme ça, ensuite, donc cette, est-ce que je l'ai en photo là? Je sais pas. Ah si, je l'ai. Donc, ça veut bien s'ouvrir. Allez, voilà. Donc voilà où je suis. Ici, donc le gros rouage, voyez. Et là, je suis en train de travailler sur cette fleur-là, sur la rose qui est là. Donc la rose-là est terminée, la feuille, vous avez vu. Voilà. Dès que cette partie-là sera finie, je vais repartir un peu sur le chapeau. Peut-être que je descendrai un peu sur les cheveux, je ne sais pas, je verrai. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et j'ai fait combien dessus? Ah, il est là. J'ai fait 880 croix. Je suis arrivée à 6000. Excusez-moi. 6085 croix. Et je suis à 5,06%. Il y a encore un petit peu de boulot. Alors, on va continuer avec le HAED, le hibou du savoir. Là, le cadre est énorme. Hop. Donc, celui-là, je vous rappelle que je le fais en trio avec Ludovic. Tout à l'heure, je vous ai dit Laurent ou Ludovic. Excuse-moi si je me suis trompée tout à l'heure. Donc, c'est Ludovic. Je sais plus ce que je vous ai dit. Et avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Donc, voilà où j'en suis. Vous voyez bien? Oui, voilà. Là où j'en suis. Alors, j'ai fait déjà un petit bout, mais alors le derrière. Là, je vous montre pas, il est super moche. donc voilà, très agréable à faire, très sympa.
Donc là, je vous dis, c'est un HAED. Hein. Voilà, là, c'est un vrai HAED. Donc là, ce que je fais, bon, j'ai démarré par le bec, donc qui était au milieu. Le milieu était là, ici, quelque part. Et j'ai fait le bec et je vais en tournant. Je tourne autour. Voilà. Comme ça, bah, ça monte, ça descend, c'est sur les côtés. Donc, je tourne pour le broder. Voilà. Je fais tout autour. Mais j'aime beaucoup. Donc là, je suis presque arrivée à son œil, là, déjà. Il y a son œil qui vient ici. Donc, c'est top. Mais bon. Alors là, pour ce petit hibou, on fait 300 croix par semaine. Voilà, on fait 300 croix par semaine pour l'instant. Si on voit plus tard qu'on a besoin de faire plus, on fera plus. Mais bon, pour l'instant, on reste comme ça. Ce qui fait que là, on a déjà brodé 900 croix dessus. Et on est à 1,44%. Voilà. Mais bon, c'est le tout début. Hein, donc, voilà. Je vous demande pardon si vous me voyez de temps en temps bailler. Alors, autant la nuit d'avant. Mais alors, j'ai passé une nuit de bébé. Mais alors, je me suis levée. Bah, j'avais la forme. J'ai passé une nuit de bébé. Pas de réveil, aucun. J'ai entendu aucun bruit, rien. Mais alors, j'ai fait un gros dodo. La nuit dernière, pareil, mais je ne sais pas. Je me suis réveillée fatiguée. Donc, si je bâille de temps en temps, il ne faut pas que je dise le mot. Sinon, ça me fait bailler. donc, je m'en excuse. Bon, j'essaierai de couper hein, au montage. Mais bon, pour faire. Donc, voilà. Le hibou du savoir, c'est fait. Je vous l'ai montré. La broderie, le HAED du mercredi. Pareil, je vous l'ai montré. Il m'en reste deux à vous montrer en broderie. Alors, mes pans royaux. Donc c'est un modèle de chez All Forest. Alors ça faisait au moins 15 jours, je crois, que j'avais pas travaillé dessus. Et là j'étais contente de le reprendre. Donc j'ai terminé la fleur qui est ici. Il me restait, alors c'est celle-là ou celle-là? Non, c'est celle-là, je crois. Je sais plus, mais je vous aurais mis très certainement la photo avant. J'ai terminé la feuille ici, voilà, et j'ai commencé là en bas. Alors là, c'est fait avec le coton mouliné 550, le coton, hein, tout simple. Et j'ai commencé, il y a une frise qui vient là, j'ai commencé à la faire. Celle-là est faite en fil étoile, 550. Bon, de toute façon, comme d'habitude, je n'arriverai pas à vous montrer que ça brille. Non, j'arrive pas. Il faut la voir en vrai pour le voir que ça brille. Le retour téléphone, j'arrive pas. Ça ici, c'est fait aussi en fil étoile. Là aussi, bien sûr, là aussi, du coup. Tout le reste est fait en fil mouliné coton. Voilà. Donc là, cette frise-là, bah, elle va se retrouver là aussi. Hein.
Alors, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'elle est. Alors, attendez. On va regarder avec le dessin. Est-ce que je l'ai là? Non, là, c'est pas la photo. Photo, photo, je veux la photo. On va le poser. Ah, c'est pas que c'est lourd, mais c'est encombrant. Alors, All Forest, ici. Mes pans royaux. Là, voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Vous voyez, donc la fleur, là, elle est, je l'ai faite. Et je suis donc sur cette frise-là. Donc, je ne sais pas encore. Si je fais toute la frise en fil étoile, en sachant que ici, alors je vais l'agrandir, on verra mieux. Hop. Voilà. Vous voyez, moi je suis en train de broder les deux lignes là. Donc si je le fais en fil étoile. Alors, je ne sais pas encore si l'intérieur, je le fais en fil étoile aussi, ou si je le fais en coton mouliné, en sachant qu'il y aura les petites pendouilles là, qu'il y a là. Est-ce que je les fais en fil étoile? Ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On verra. En fin de compte, on verra. Ouais, je sais pas, parce que la frise du haut, celle-là ici, là j'ai fait entièrement en fil étoile, et du coup celle-là je sais pas comment, ou alors est-ce que je fais tout sauf les deux losanges et l'espèce de fleur là, mais est-ce que je fais tout en fil étoile, les pendouilles là, hop hop, et tout ça en fil étoile, où je mélange les deux. Je sais pas. À votre avis. À votre avis. Je sais pas. Là, je suis indécise. Dessus. Je sais pas. Alors, ce qui est bien, bon, c'est que c'est une broderie miroir. Hein. Donc, ce que vous faites à droite, ben, ce que vous faites à droite, vous faites à gauche. Donc, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est moins prise de tête, voilà. Donc, je ne sais pas encore. On verra. Bon, ça ira au feeling, comme d'hab. Je prévois, des fois, je ne prévois pas et je fais vraiment au feeling, comme ça me vient. Donc, voilà. Donc là, il me reste quand même une petite frise à faire ici. Je vais finir ça. Et donc, tout ce côté-là sera fait. Et après, il faudra que je reprenne de l'autre côté. Mais bon, du coup, je ne sais pas si je vais pas bouger trop mon tambour. Je vais peut-être continuer en descendant après. Ou je sais pas. On verra. Alors, est-ce que je vous ai donné les points? Non. Donc là, j'ai fait 400 croix. J'en suis à 8090 de brodés. Et je suis à 25,21%. Je ne sais pas si là, j'ai mis mon pourcentage dessus. Point royaux. Oui, si, je l'ai mis. 10, 20. Oui, c'est bon. Dernière broderie. Alors, que je vous explique. C'est le sampler 124 que je fais avec Sonia. Voilà. Donc, on est en train de travailler cette case ici.
J'ai fait mes 300 croix de la semaine. Bon, j'ai pas encore eu le temps de refaire la bordure jaune en haut là. C'est pas très grave. Je vous montre quand même ce que Sonia a fait. Voilà. Vous pouvez voir que là, il n'y a pas la même partie. Elle est tombée en panne de fil, malheureusement. Donc, elle va rattraper là. Elle va aller chercher du fil et donc elle va rattraper son tout petit retard. Elle est à la moitié. Si vous voulez, il faut faire 300. Elle en a fait 150 à peu près. Donc là, elle va rattraper son retard. Et puis voilà, je voulais lui laisser une semaine, mais elle me dit non, ça va aller. Elle va rattraper et puis c'est bon. Sonia, sache que si tu as besoin d'une semaine, il n'y a pas de souci. J'ai de quoi faire, hein. Je peux attendre. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sans broderie. Hein. Donc voilà, moi je le fais sur une toile étamine bleu canard, une 12 points 6 fils. Sonia le fait également sur une étamine 12 points 6 fils, mais couleur rubis. Elle le brode avec un gris clair en fil étoile. Et moi, je fais également entièrement en fil étoile avec trois couleurs. Donc, le jaune, le 725, le turquoise, le 995. Ah, le bleu marine étiquette est parti. Je ne sais plus, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. C'est très joli. J'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, niveau broderie, on a fait le tour. Voilà, je vais reboire un coup. Je meurs de soif aujourd'hui. Oui, niveau broderie, on a fait le tour. Donc, il est où mon sampler? Oui, il est là. Alors, mon petit challenge pour savoir si j'ai réussi à faire minimum 3000 croix cette semaine. Eh bien, cette semaine, j'ai un peu explosé le compteur. J'ai fait presque le double. Je suis à 5973 croix pour la semaine. Voilà. C'est pas mal, hein? En sachant que la semaine dernière, j'en avais fait que 3605. Donc cette semaine, comme on dit dans le Nord, j'ai sacké de dame. Petite pensée à Sabine qui aime bien parler patois également. Ouais, donc voilà, ben ouais, j'ai presque fait 3000 croix de plus que ce que je prévoyais, donc c'est très très bien. En plus, j'ai brodé toutes mes broderies. La seule que je n'ai pas eu le temps de faire, c'est l'orchidée de chez la Natte. C'est pas la plus urgente. Bon, il n'y a pas d'urgence, hein, dans mes broderies. Mais je veux dire, c'est pas très important qu'elle soit pas faite. Alors, on va tirer au sort maintenant. Alors, je vois que j'ai oublié de marquer mes obligatoires, mais bon, je vais les marquer en vitesse. Comme ça, en même temps, hop, vous le savez. Donc, mes obligatoires, j'ai le sampler 124. Voilà. J'ai le Black Rose. Black Rose. J'ai le Star Dragon. J'ai le sampler. Alors, celui-là, c'est combien? 251. Sampler 251. Bon, l'ABC, je ne le marque pas cette semaine, puisque ce sera pour la semaine d'après. ABC automne. J'ai mon Lily Point. Donc le Lily Point chat. Ah, le hibou du savoir.
Voilà. J'ai mon, comme j'avais dit, alors ça je me le marque dans une autre couleur, mon Lily Point infirmière. Voilà. Ça, c'est mes obligatoires. J'en ai oublié. J'ai le long doc sampler aussi, mais on verra. Allez, on va faire le tirage au sort maintenant. Ah! Non, c'est pas ça que je vais ouvrir. C'est ça. Allez, on va commencer par le HAED du mercredi. Donc, je vous rappelle qu'il y en a trois. Le hibou du savoir ne compte pas dedans puisque c'est un obligatoire. C'est un que je fais 300 croix chaque semaine. Donc... ouais, le paysage, super, chouette. Alors, le HAED, je vais mettre là. Donc, paysage, super. Ensuite, les broderies. Alors, vous rappelez que la semaine dernière, j'avais fait un tirage au sort déjà, et donc je ne l'ai pas remis à zéro exprès pour que, comment, bah, que toutes les broderies aient une chance d'être brodées. Voilà, en sachant que j'ai enlever, alors attends juste une petite seconde, là je mets juste à jour un truc. Il est où? Celui-là, supprimer, et celui-ci, oui, si. Les obligatoires, je les enlève parce que sinon ils vont être tirés au sort et ça sert à rien. Voilà. Normalement, là, je dois être bonne. Je le sais. Je suis bonne. Voilà. Ah, la pub, bien sûr. Voilà. C'est bon, normalement ça doit être bon. Ouais, allez, on va tirer au sort. Alors je vais en tirer. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on va en tirer 7. Oh, le Bouddha, chouette. Alors, le Bouddha. Ah, je sais plus écrire. Pour arriver à une certaine heure, ça veut plus. Hein. Ah ben oui, la maison météo. Je suis très en retard sur ma maison météo. Le tigre. Alors lui, il a un tout petit bout de fée. Le tigre de Lucas. Ah tiens, la mémère. Fifi, bouge tes fesses. Bouge tes fesses. Mais bouge.
Le HAED de la japonaise. Le hibou. Donc ça, c'est un qu'on m'a offert. Donc 1, 2, 3, 4, 5, encore 2. Colibri. Donc ça, c'est un poussière d'étoiles, comme le Bouddha. Allez, un petit dernier pour la route. Non, il est déjà tiré. Oh, le patchwork sampler, mon Dieu. ouais, alors là, je suis... C'est même plus en retard que je suis. C'est une broderie que l'on fait avec le gang des Québécoises. Mais moi, j'ai complètement lâché l'affaire. Bah, c'est bien, comme ça, je vais le ressortir. Bah voilà. Hein. Ouais. C'est bon. On a tout fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. C'est bon. Allez. On va du coup, là, je vais remettre à zéro pour la semaine prochaine. Voilà, c'est bon, tout est dedans. Alors, pour la semaine prochaine, on a prévu dans les obligatoires, donc le sampler 124 que je fais avec Sonia, le Black Rose que je fais avec Letty et également le Star Dragon, le sampler 251, donc c'est le sale anniversaire, le Lily Punch. Le lily.chat que je fais donc avec Céline. Le hibou du savoir, c'est un HAED que je fais avec Ludovic et Amélie. Et Sabine, hein, je te compte dedans, hein, voilà. Et mon lily.infirmière. Et la roue m'a tiré au sort le Bouddha de poussière d'étoile. Ma maison météo, donc c'est un sale. Le tigre de l'UKS, le HAED de la japonaise, le hibou, je ne connais plus le nom par contre, le hibou là, que mon abonné m'a offert, le colibri, et le donc, colibri c'est poussière d'étoile, excusez-moi, et le patchwork sampler. Et mercredi, on fera le HAED du paysage. Donc, dans tout ce que j'ai tiré là, il me faut une broderie pour le lundi. Qu'est-ce qu'on ferait bien lundi, Fifi, comme broderie? Tu sais pas? Tu t'en fous? Bah, vous savez quoi? Le colibri. Parce qu'il n'est vraiment pas en avance. Le sale que j'avais organisé, bah, il est terminé depuis longtemps. Et comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Donc, ma broderie du lundi, ben, ce sera le colibri. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, je vais vous parler d'un futur événement. Donc, je vais vous faire une vidéo hein, cette semaine. Je vais déjà vous donner les gros... Enfin, les gros. Les grandes lignes, voilà. Aide-moi, toi. Tu peux pas m'aider quand maman elle cherche. ça me fait rire. C'est parce que je cherche une image là, sur mon Facebook et je tombe sur un article. Êtes-vous espionné par votre friteuse air fryer? Ben ouais, c'est un appareil connecté. Et moi,
C'est vrai que les trucs connectés, tout ça, voilà, mais bon. Excusez-moi, je cherche l'image. Allez. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu des lumières? T'as vu un fantôme? C'est un fantôme chat? Non? C'est un gentil? alors, j'aurais dû préparer l'image, je suis désolée, mais. Mais c'est aussi que j'ai mis les renseignements sur le groupe. Voilà. C'est bon. Alors, je vous ai parlé, enfin, je vous ai parlé, je vous ai mis un petit post dans la communauté cette semaine. Pour vous dire que j'organisais un sale météo, donc en broderie, donc ça à partir du 1er janvier, mais on pourra commencer à broder sa grille avant le 1er janvier sans problème. Il n'y aura que les couleurs météo que là on ne pourra pas les commencer avant. Donc là, il me reste plus qu'à sortir la grille en PDF et à mettre tous les renseignements, faire le fichier avec tous les renseignements et la grille. Donc ça, ce sera fait cette semaine sans problème et je pourrai donc la donner rapidement. Je donnerai la grille entière. Ce sera pas par étape, par morceau, quoi que ce soit. Voilà, la grille, vous l'aurez en une seule fois. Gratuitement, voilà, je donne mes grilles toujours gratuitement. Donc cette année, j'ai choisi de faire une broderie météo sur le thème de la ferme. En soutien de tous nos agriculteurs hein, qui galèrent pas mal en ce moment. Et je trouvais que c'était un joli thème, et puis que voilà, ça changeait surtout. Donc voilà l'image, si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, je ne sais pas si les couleurs donnent bien, mais sinon, je vais vous remettre l'image. Voilà, je vais vous remettre plutôt l'image en photo. Les couleurs ne sont pas fixes. Pareil, vous avez envie de changer les couleurs. Votre maison, il la mettre marron et jaune, bah, vous la mettez bleu et vert ou rose et violet, j'en sais rien, mais voilà, votre vache est noire et blanche. Bon, la vache, je pense qu'elle restera noire et blanche, mais votre cheval, là, il est marron, vous avez envie de faire un cheval gris, voilà, vous ferez ce que vous voulez au niveau des couleurs. Voilà, c'est une base que je donne. Après, si vous avez envie de changer, y aura aucun souci. C'est votre ouvrage, vous en faites ce que vous voulez. Alors, je vous donne les. Alors, ça s'est ouvert tout à l'heure, ça veut pas. Ah, voilà. Donc, il y aura. Alors, c'est une taille de 193 points sur 189. Voilà. Après, c'est à voir votre toile que vous utiliserez. Mais ça, on reverra tout ça en même temps. Je mettrai tout détaillé dans le fichier. Il y aura 40 couleurs, sans compter les couleurs météo. Ça, les couleurs météo, je vais vous faire un fichier à part. Pareil, c'est un fichier de base. Voilà, si vous avez envie de changer les couleurs les couleurs météo, vous pouvez les changer. Ça, vous ferez vraiment comme vous voulez. Moi, je vais donner une idée
et après vous la travaillez comme vous souhaitez. En tout, il y aura 8667 croix. Il y a du point arrière, bien sûr. Et il y a un petit peu de point nœud. Il y a 9 points nœuds. Pareil, si vous ne savez pas faire des points nœuds, pas de souci. Vous pourrez, soit ben, vous faites une croix à la place, tout simplement. Ou alors, vous mettez une perle. Voilà, vous mettrez une petite perle à la place. Voilà, bon, je vous ai dit déjà les grandes lignes. Donc, je vous fais une vidéo cette semaine. Je vous expliquerai tout. Je vous expliquerai comment avoir la grille. Et pour celles qui sont sur YouTube, si vous avez envie d'en parler, parce que vous allez le faire, vous avez juste envie d'en parler parce que pour faire bah, la pub du sale, voilà. Au moins, vous aurez également tous les renseignements et vous pourrez en parler également. Voilà, donc je pense avoir fait le petit tour pour l'instant. Et s'il y a d'autres renseignements à donner ou quoi, ben, je vous dis, tout sera dans la vidéo. Et après, le fichier, lui, sera complet. Il y aura tout. Je vous montre l'image. Voilà, donc il y a un âne, il y a deux fermiers, il y a une poule, il y a une vache, il y a un cheval, il y a des petits moutons. Et à des petits canards, voilà. Et après, il y a la maison et la grange, voilà. Et la poule a son petit poulailler. Oui, une seconde, on va faire une pause. Pause pipi. Bon, on va profiter de faire la pause pipi. Comme ça, moi, je vais ranger les broderies. Oui, j'ai vu. Comme ça, je vais ranger le reste des broderies. Et après, je vous dis ce que j'ai regardé sur YouTube et on terminera avec le tricot et le crochet. Je suis là tout de suite pour vous. Me revoilà. Alors, il est 23h et on a fait 1h32. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé de beau cette semaine sur YouTube? Alors, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Alors, au lieu de vous mettre une bannière à la fois, je crois que je vais vous mettre plusieurs bannières en même temps pour aller un peu plus vite au niveau du montage. Mais au moins, vous verrez quand même toutes les vidéos que j'ai regardées. Et puis, de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, j'ai regardé la vidéo de Petite Croix Fantastique. C'était sur ses avancées du 16 octobre au 4 novembre. Voilà. Sur sa vignette, elle a marqué « Doucement, mais sûrement, c'est la meilleure méthode. » C'est la meilleure méthode. Ensuite, j'ai regardé... Fifi, elle fait du bruit. Les bricoles à Lilou. J'ai regardé son floustube numéro 10, septembre, octobre et tirage des petits. Donc, elle montre bah, tout ce qu'elle a brodé, ses encours, etc. Donc, très belle vidéo. J'ai regardé... J'ai regardé qui? Non, ça, je l'ai... C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ah oui, voilà. Excusez-moi, je m'étais perdue. J'ai regardé la vidéo de Patatras 2. Donc, c'était son floustube, vampire, citrouille et belles avancées. C'est vrai qu'elle a fait de sacrées avancées. Elle a terminé des toiles et tout. Bravo à toi. Tu as bien bossé. Ensuite, j'ai regardé Sa Brode. Donc, c'est la chaîne de Sabine. Madame Chantilly, Box and Fox. Les brodeuses parisiennes dans 5 jours.
dans 5 jours de petite croix avec moi. Fatiguée. Donc pareil, elle nous montre plein de belles choses qu'elle est en train de faire en ce moment. J'ai regardé, alors là je crois que c'est la toute première fois que je regarde cette chaîne. Je ne sais pas, je crois que j'en ai entendu parler, mais où, je ne sais plus. C'est la chaîne de Amel Douce Croix. Donc c'était un extra Floustube sur ses craquages. Voilà, donc il y a eu des beaux craquages. Et j'ai bien aimé. C'est, je vous dis, c'était la première fois que je regardais sa chaîne. J'ai vraiment bien aimé. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Lounix et ses loisirs. Floustube numéro 24, mes avancées du mois d'octobre et mes objectifs pour le mois de novembre. Donc, pareil, hein, elle n'a pas beaucoup de broderie non plus. Hein, elle est comme nous. Alors là, j'ai halluciné, mais dans le bon sens. Hein, ça a été waouh. La chaîne des passions de Passy. Elle nous a fait une visite de son atelier. Heureusement que j'étais assise. Quand j'ai regardé ta vidéo, je te jure, heureusement que j'étais assise. Mais c'est vraiment top. Hein. Mais t'as du taf, hein, là. T'en as jusqu'à ta retraite, hein, à faire. Alors, dans son atelier, elle nous montre tout ce qu'il y a dedans. Mais des broderies. Alors, par contre, t'as beaucoup d'encours. mais toutes les broderies qu'elle a, les livres de coloriage, elle a beaucoup d'articles coréens. Et après, elle nous a montré toujours dans cette pièce-là, elle a un petit dressing dans cette pièce-là, donc qui ne sert pas de dressing, bien sûr. Oh, les tissus, je crois que là, t'as de quoi faire aussi pour un petit moment. Et au niveau d'épée, waouh! Là, c'est pareil, hein. Mais c'est superbe. Alors, j'ai rigolé à la fin de la vidéo. Parce qu'elle disait qu'elle n'avait pas eu la place pour mettre ses 150 pulls. Mais écoute, il faut te refaire une pièce plus grande, ma belle. Mais en tout cas, j'ai adoré ta vidéo. Elle était vraiment tip-top. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo si vous avez envie. C'est la visite de mon atelier, donc les passions de Passy. J'ai regardé ensuite About My Gwen. Donc, j'ai regardé son Floustube. Le 9, c'est Floustube. Le numéro 15, donc octobre. 1, 2, 3 ou plus. Que de projets terminés. Voilà. Donc, pareil, elle nous montre les projets terminés, les projets en cours. Comme j'aime toujours autant ces Floustube à My Gwen. J'ai regardé la vidéo, je vous l'ai dit, j'ai regardé beaucoup de vidéos hein, cette semaine. J'ai regardé la vidéo de Didine Hobby. Donc sur sa vignette, elle a marqué j'ai pas résisté. C'est un déballage d'une toile. Voilà, donc elle a marqué c'est une beauté folle. Alors c'est la deuxième fois que je vois cette toile. L'autre jour, je l'ai vue sur. Alors, on va peut-être voir la vidéo. Je ne sais plus chez qui je l'ai vue. C'est une grande toile, mais avec des chats. Alors, je ne sais pas si c'est chat chinois ou chat japonais. Mais c'est des porte-bonheur. Mais très jolie toile. J'ai regardé la vidéo de Dan Nissin. Son Floustube 14, donc elle nous montre l'avancée de ses poches qu'elle brode une par une pour le calendrier de l'Avent de ses enfants.
Donc, c'est son costume numéro 14. Des maquettes, oui, elle fait des maquettes également, du DP, mais vraiment plein plein de choses très très intéressantes. Qui que j'ai regardé encore? Ici, oui. Mes petits loisirs créatifs. Bah, c'était sa semaine créative, donc elle nous a montré tout ce qu'elle avait fait pendant sa semaine. Je suis en train de chercher ton prénom. Lily, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Lily. Des fois, j'ai une mauvaise mémoire hein, sur les prénoms, il ne faut pas vous inquiéter. J'ai regardé du fil et des broderies, donc ça c'est Jennifer. Donc, papotage, broderie, tricot. Donc, elle nous a montré ses avancées. Excusez-moi, je voulais lire. Ah oui, j'ai regardé une vidéo d'ASMR. J'aime beaucoup, moi, ces vidéos-là. Mais pas les vidéos ASMR moitié dingo. Hein, où les gens sont en train de bouffer des cornichons. Ou... ça, non, pas, je ne regarde pas ça. Là, c'est la chaîne de ASMR Kali. Je l'aime beaucoup. Elle est très jeune. Hein. Elle est très simple, très douce. Moi, je suis très, très, très réactive aux vidéos ASMR quand elles sont bien faites. Et elle, ses vidéos sont bien faites. Ça me détend. Mais alors, un point, ça me détend. Et bien, c'est le soir, c'est le jour où là, j'ai passé une super bonne nuit pour dormir. Je sais que quand je regarde une vidéo comme ça avant d'aller dormir, je vais avoir une nuit, mais alors limpide. Donc là, elle faisait le rôle d'infirmière d'école. Voilà, j'ai bien aimé, même son petit humour entre deux sur certaines choses. Mais ouais, moi, je suis vraiment très, très réactive à ces vidéos, mais je vous rappelle quand elles sont bonnes. J'ai regardé également, je crois que c'est la deuxième, ça. Non? Oui, peut-être. Oui, c'est la deuxième. J'ai regardé encore une vidéo de Sabine. Sa brode, qui brode, bah, elle brodait une carte de vœux, voilà, en attendant Noël. Kiki, la petite brodeuse, elle montrait, alors c'était, elle les montrait en image, sept projets hivernaux en points comptés. Qu'elle va faire ou qu'elle voudrait faire. J'ai regardé la chaîne de Laurent, les Croix Mousquetaires. Voilà, c'était son floustube numéro 13. Donc, je l'ai regardé hier, je crois. Oui. J'ai bien aimé. De toute façon, j'aime beaucoup les modèles qui brodent, hein, c'est un peu même, le même style que moi. Et j'aime vraiment tout ce qui brode, et voilà, c'est vraiment superbe. Et j'ai regardé aujourd'hui donc le Flowstube podcast de Loisirs de Sève, où elle montre ben, une broderie qu'elle a terminée. Et elle montre également sa couverture, enfin ses carrés. Vous savez, avec la boîte des carrés granit, je vous ai déjà présenté, c'est sur sa chaîne à elle que je l'avais découvert. Je crois qu'elle les a presque tous terminés. Si, oui, je crois qu'elle les a terminés. Donc, elle nous les a montrés et voilà, elle nous a montré aussi une broderie qu'elle a faite en point de croix et une broderie en traditionnelle. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je te remercie également
pour le petit clin d'œil que tu as fait sur moi, sur ta vidéo. Donc, en même temps, pour parler du cal que je mets en route pour la couverture ici au mois de janvier. Je te remercie beaucoup. Voilà tout ce que j'ai regardé cette semaine. Oh, excusez-moi. Alors, sur ma chaîne, cette semaine, qu'est-ce que vous avez pu voir? Alors, là, on commence là. Lundi, bien sûr. Bon, dimanche, c'était le journal créatif, ça, vous le savez. Lundi, vous avez eu un unboxing de Biggest Craft. Vous avez eu un DIY Diamond Painting fait par Chouchou. Donc, c'était une étagère en Diamond Painting. Donc là, vous avez eu deux vidéos. Une vidéo où Chouchou faisait les plaques et une vidéo où Chouchou faisait le montage de l'étagère. Vous avez eu la vidéo présentation des nouveautés de la boutique Poussière d'Étoiles. Il y a une surprise dans cette vidéo. Donc, si jamais vous n'avez pas encore été la voir, allez-y. Je vous ai présenté deux revues de tricot. Voilà. Et la dernière vidéo, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait beaucoup cette semaine. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Oh, si. C'est le minimum, sept. Minimum syndical. Et j'encadre ma broderie du Fox de Cottage Garden. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai mis une mini vidéo, mais alors vraiment quelques secondes, car vous aurez pu voir, même avec cette vidéo ici, que mon intro, et vous verrez qu'à la fin a changé également. Voilà, donc j'avais mis une mini vidéo pour vous, là, vous présenter la nouvelle intro. Voilà. Bah écoutez, niveau YouTube, j'ai tout dit. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer au niveau tricot. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas fait grand-chose. J'ai travaillé un peu sur les manches. Ouais, je les ai pas encore finies. Mais ça va venir, hein, elles vont être finies. Fin de compte, c'est le plus long, les manches, je trouve. Hop, donc voilà où j'en étais la semaine dernière. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. Hein. J'ai dû faire 5 rangs, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, 5 ou 6 rangs. Bon, c'est toujours 5 ou 6 rangs de fait. Hein. Ils seront plus à faire. Donc, voilà, ça, c'est mon pull. Mon pull fil d'art, celui, vous savez, avec le plastron avec les trous-trous. Donc voilà, les deux manches. Ça se termine. Là, je suis en train de faire les avant-dernières augmentations. Donc là, je suis en train de faire 18 rangs. Donc j'en ai fait 6. Il en reste 12. Plus encore une fois 18 et après les épaules. Voilà. Voilà. Bon, il faut que je m'accélère quand même parce qu'il commence à faire froid. Il faudrait que je le termine pour pouvoir le mettre. Hop. Voilà, et j'ai avancé, alors pas comme j'aurais voulu, mais Monique, je l'ai avancé. J'ai avancé ma couverture météo de 2023. Voilà, la 2024 n'est pas finie, hein, mais je vais d'abord terminer celle-là, comme ça je serai tranquille. Alors, je suis où? J'ai fait 5 rangs. Voilà, j'ai fait 5 rangs. Enfin, je suis sur le cinquième, là.
Donc là, c'est début 1er novembre, hein, vous voyez, donc j'ai déjà fait tout ça sur le mois de novembre. Ça, c'était octobre, voilà. Septembre. Août, et là, juillet. Voilà. Donc ça avance bien, j'aime bien. Bon, il est temps qu'elle se termine quand même, hein. Du coup, là, je suis arrivée au 20 novembre. Donc, il me reste 10 jours à faire et après, il me reste le mois de décembre. En sachant que je fais des allers-retours. Donc, pour novembre, il me reste 20 rangs à faire. Et pour décembre, il me reste 62 rangs à faire. Voilà. Et elle sera terminée. Bon, cette semaine, je vais essayer d'en faire un peu plus. De faire au moins 2 lignes par jour. Comme ça, ben, ça me fera rattraper. Si je fais 2 lignes par jour, ça me fera une semaine. Ouais, ça me fera une semaine de rattraper. Et j'arriverai. Ouais, il faudrait que cette semaine, j'arrive au 30 novembre. Voilà, comme ça, novembre est fini. J'aurai plus que le mois de décembre. Et voilà. Donc, voilà. Et après, il n'y aura plus que la finition. Alors, je ne sais pas encore. Je vais voir si je vous avais dit. Bon, chaque fois, je me répète. Hein, mais elle est faite en 2 morceaux, cette couverture. 1er janvier au 1er juillet et du 2 juillet au 31 décembre. Donc, ça fait 2 couvertures à part. Je ne sais pas encore si je vais laisser comme ça. Du coup, je vais juste fignoler les bordures. Et ça nous fera une couverture chacun dans les fauteuils. Ou si j'assemble les 2 couvertures pour en faire une grande et pour mettre sur le lit. Mais j'ai pas trop envie de faire ça. Parce qu'il y a encore la couverture, de toute façon, de 2024. Et dans ce cas-là, je ferai plutôt la 2024 pour le lit. Pourquoi pas. Ou pour le petit lit, parce qu'on a un petit lit aussi. À moins que je fais pour le petit lit. Voilà, en forme de couvre-lit. Je verrai. Mais là, bon, celle-là, je pense que ce sera pour. Je pense que je vais laisser les 2 parties. Parce qu'elle est grande, hein. C'est vraiment très très grand. Donc, il est déjà là pour se mettre dessus quand on est dans le fauteuil. Et même niveau largeur. Hein. Voyez, niveau largeur, c'est grand. Hein. Donc je pense que je laisserai comme ça. Je fignolerai les côtés. Et je vais faire une bordure tout autour. Un rang seulement. Et je mettrai pour nos fauteuils. Le soir, quand il fait pas. Pas chaud là déjà il y en a vous la verrez pas je sais pas si vous la voyez vous voyez des couleurs à travers la chaise alors on met la chaise la nuit c'est pour pas que les qu'ils aillent dans les fauteuils la nuit parce que des fois ils oublient un petit pipi c'est déjà arrivé Fifi ou Toutou hein. Mais bon c'est surtout Fifi des fois de colère. Alors, quand elle n'est pas contente de colère, des fois elle fait un pipi. Il faut laver tout, mais bon. Donc là, il y a la couverture que j'avais fait il y a 2 ans en granit. Enfin, juste le point de granit. Voilà. Hop. Mais elle est bien épaisse, hein, en plus. Je la fais avec les fils. Alors, est-ce que je peux n'importe laquelle, de toute façon, c'est pas grave. Je les tricote, enfin, je l'accrochette avec ça, l'Amigo de chez Obi.
C'est la plus fine hein, que je prends, celle qui se fait en numéro 4. Ouais, la numéro 4. Donc ça, c'est l'Amigo, toute simple, en 100% acrylique. Elle est super bien, celle-là. Elle bouge pas. Non, mais elle est top. Voilà. Donc, ouais, cette semaine, je voudrais bien faire au moins 2 rangs par jour pour bien l'avancer. Ce qui est temps que je la termine, vraiment, celle-là. Voilà. Alors, ouais, je voulais encore faire un remerciement, mais je vais boire un coup avant, j'ai soif. Excusez-moi. Je voulais encore tous vous remercier pour les nombreux messages. Je vous ai déjà remercié, hein, mais pas de vive voix. Pour tous les nombreux messages que j'ai eus pour mon anniversaire. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça m'a extrêmement fait plaisir. J'ai eu plein de messages, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. En message privé, en SMS, voilà, j'ai eu des messages partout. Alors, je vous remercie encore tous. Et je remercie également celles qui m'ont fait des petits cadeaux. J'ai eu beaucoup de grilles de broderie. Donc ça, un grand merci. Elle se reconnaîtra. Et j'ai eu également le cadeau d'une abonnée qui m'a fait un bon d'achat sur Amazon. Donc, je la remercie aussi vraiment beaucoup. C'est des petites attentions qui font toujours plaisir. Alors, niveau broderie, bon, ben là, j'ai du taf. Hein. Mais bon, j'en ferai, ça c'est sûr. Bon, sur la longueur, hein, mais voilà. Mais encore un grand merci pour toutes ces grilles de broderie. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que j'ai fait. Ouais, non, je crois que j'ai tout dit là cette fois-ci. Cette semaine, ben, comme d'habitude, on se retrouvera dans différentes vidéos. Lundi, est-ce que j'ai un unboxing lundi? Oui, il y a un unboxing lundi, à moins que je reçoive un autre colis, mais il y aura un unboxing. Il y aura la vidéo déballage box de poussière d'étoile, bien sûr. Il y aura la vidéo bah, pour le salle de la ferme météo. Et puis, ensuite, je verrai, j'ai plein d'autres vidéos à vous faire. De toute façon, bon, je les fais un peu au fur et à mesure que ça me vient et de mes envies. Bon, c'est vrai que de toute façon, vous avez au moins une vidéo chaque jour. Donc, voilà. Et je dois faire une vidéo aussi sur... Ah, bah oui, sur le sampler de 151 pour vous montrer comment je brode... sur ma toile noire. Voilà. Bah écoutez, là c'est bon, ça y est, on a fait le tour. On arrive aux 1h, aux 2h, ou 1h, n'importe quoi, aux 2h. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces. Je vous ai déjà expliqué, hein, plus il y a de pouces, plus la chaîne... est visible au niveau de la page d'accueil de YouTube, ça remonte. Et n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires. Ah si, 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 très important. Vidéo tirage au sort. Alors, je vais me le marquer sur le carnet pour pas l'oublier. Tirage au sort. Je l'ai fait quand la vidéo? Je l'ai faite il y a 3 jours. Donc, on est samedi. Donc, 1, 2, 3.
crois. Je l'ai faite mercredi. Mercredi, voilà, je vais marquer là. Hop. Excusez-moi. Mercredi, vous aurez la vidéo du tirage au sort pour savoir si vous avez gagné un aimant à aiguille Fifi, voilà, de poussière d'étoile. Donc, si vous n'avez pas encore participé, n'hésitez pas. Hein. Donc, c'est la vidéo présentation des nouveautés de la boutique poussière d'étoile et une surprise. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et à la fin, vous verrez la surprise. Voilà, il y aura, je vous rappelle qu'il y a 5 gagnants. Là, c'est bon, ça y est, j'ai tout dit, je peux aller me coucher. Non, mais je vais ranger d'abord. Et puis après, oui, après, j'irai me coucher. Il est 23h30. C'est plus de mon âge, hein, tout ça. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. J'attends tous vos commentaires, tous vos poupousses. Et si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le marquer aussi en commentaire. Je fais mon possible pour vous les faire sans problème. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.